Alors, maintenant, je suis prête. Dis-moi. Tous les ans à Pâques, tu démarres. Toutes les années à Pâques, c'est une nostalgie immense de me retrouver en Grèce. C'est une peine terrible d'être à Paris à Pâques. Enfin, je crois... Si j'étais dans aucune ville au monde, j'ai jamais senti ce que je sens à Pâques en Grèce. Il y a longtemps que t'es là, à Paris? Oui, à Paris. Deux mois? Oui, il y a deux mois que je suis arrivée, mais j'ai pas vu Paris, j'ai rien vu, j'ai travaillé. T'as doublé? J'ai doublé. T'avais loué une maison, ce coup-ci? Oui, on m'a trouvé une maison. Pour me convaincre d'avoir une maison une fois. Très rare. Hein? C'est très rare. C'est très rare d'être à Paris dans une maison, oui. Ça t'est jamais arrivé? Oui, il y a une autre fois que j'ai eu une maison à Paris. C'était à la rue de Rivoli. C'était très beau. Non, ça c'est l'hôtel. Toujours? Toujours l'hôtel. Et je crois que ça va finir avec l'hôtel. Tu aimes l'hôtel? J'aime l'hôtel, j'aime les choses impersonnelles, si tu veux. J'ai pas le courage de faire une maison à moi, prouver mon goût, mais... Tu n'as pas un objet? Oui, et j'ai 4 icônes. Pas belles, mais que des gens m'ont donné. Des gens m'ont donné ça pour que ça me protège des choses, enfin, dans la vie. Et c'est les 4 objets que j'ai. Tu n'as pas une chambre à toi? Non. Pas un lit à toi? Pas un lit à moi. Je ne pourrais pas le choisir, je crois. Je ne t'ai jamais vu acheter un objet. Tu achètes des robes? Oui. Oui, parce que les robes, on les donne ou les robes, ça s'use. Tu ne peux pas faire autrement. Tu dois acheter des robes. On doit, oui. Et j'aime la robe. On ne peut pas dire que j'aime pas... Je trouve que c'est joli, mais la chose qui sera permanente, la chose qu'on achète pour y vivre, pour être là bien chez soi, je ne le comprends pas. Une lampe, un vase, une... Horreur. Horreur. Et les femmes qui s'occupent beaucoup de leur maison, qu'est-ce que tu en penses? Tu n'en connais pas? Oui, j'en connais et même je crois que j'ai la faculté d'aller dans une maison et dire mon Dieu, ce que c'est beau, mon Dieu, ce qu'elle a du goût, mon Dieu. Mais je crois qu'elles ne seraient jamais mes amies, ces gens-là, parce que, je sais pas, on n'aurait pas de sujet de conversation ensemble, parce que pour créer une maison, une belle maison, je crois qu'il faut donner beaucoup de temps, il faut donner ou avoir une conception de vie. Laquelle est étrangère à moi. Mais le temps que les femmes passent à s'occuper de leur maison, qu'est-ce que tu en fais, toi? Je parle, je crois, je suis bavarde, j'écoute. Érotisme pour la France, un sentiment érotique pour la France, et que la France ne m'a pas payé en retour. Si tu avais quelque chose à toi, si tu as quelque chose à toi un jour, un appartement, tu souhaites qu'il soit où? À Paris? Tu sais, je ne suis pas fixée. Moi, j'aime vivre en Grèce. Oui.
Alors, je te parlerai toujours où je veux vivre. Ne me parle pas de ça parce que ça m'est égal. Ça m'est égal si j'habite le Hilton à Athènes ou si j'habite un petit hôtel aux alentours d'Athènes ou si j'ai un appartement à Athènes. Je ne suis pas prête pour avoir une maison. Je ne suis pas prête encore. Tu le seras un jour, tu crois ? Quand je serai devenue adulte. Je ne sais pas. Moi, je ne te vois pas. Tu ne me vois pas. Non. Moi non plus. C'est une peur. C'est vraiment une panique. Tu as peur, oui. Par exemple, des maisons à la campagne, tu as peur. Oh, la... Alors là, la vraie peur physique. Je ne peux jamais être dans une maison seule. Tu peux me laisser dans les rues, je peux aller visiter un cimetière la nuit, et Dieu sait si j'ai peur de la mort. Je peux me promener dans la rue, toute seule. Oui. Dès que tu me mets dans une chambre, même dans un hôtel, dans une chambre d'un hôtel, la panique commence, la peur, les murs, la claustrophobie. Tu ne peux pas vivre seule ? Non, je crois que seulement les créateurs ont le droit de vivre seuls. Pas les êtres comme moi. C'est trop égoïste. J'ai pas tellement de choses à me dire à moi-même et je ne m'adore pas tellement. Mais tu ne peux pas non plus. C'est une impossibilité. C'est un refus complet. Tu ne peux pas dormir seule ? Non. Tu ne peux pas t'endormir seule. Non, mais même je peux te dire une chose qui est terrible, mais qui est vraie. J'aurais préféré dormir, entendre respirer l'être que je déteste le plus au monde, mais pourvu qu'il respire à côté de moi. Plutôt que d'être seule. Plutôt que d'être seule. C'est peut-être une lâcheté. Non. Quel est le meilleur hôtel du monde ? Je sais pas. Le Hilton d'Athènes ? Je ne suis pas visuelle pour les hôtels, je ne peux pas te dire. J'ai là où j'ai des souvenirs. Là où il y a eu des bons moments. Tu vois ce qui est autour de toi ? Si tu me fais voir, oui. Si tu me l'imposes. Je vois les décors, seulement les décors de théâtre, les décors du cinéma, je les vois. Les autres, non ? Non. Tu es bien ou tu n'es pas bien ? Tu es bien dans une pièce ou tu n'es pas bien ? Je suis bien surtout sur un canapé ou je ne suis pas bien sur un canapé. C'est-à-dire, j'ai mal aux jambes ou je n'ai pas mal aux jambes. La conversation m'amuse, alors je suis bien sur ce canapé. Finalement, c'est ça. Mais Home Sweet Home, tu détestes. Il est absent pour moi. Je ne déteste même pas parce que c'est absent. Je connais pas ce que ça veut dire. Pas même la maison de ma mère. La maison de ma mère, c'est Athènes. Toute la ville. Toute la ville. Et la mer. Mais pas une maison. Si tu avais à choisir un pays où vivre, lequel tu choisirais ? L'Amérique ? Non. La Grèce. L'Amérique, c'est le pays du monde où tu es le plus connu. Tu es très, très célèbre en Amérique. Et tu n'aimes pas l'Amérique. Je crois que je suis le plus aimé, ce qui est très important. Et c'est ça une contradiction avec moi. Je crois que l'Amérique m'aime plus que partout. Mais c'est... Vivre en Amérique, tu ne peux pas. Je ne peux pas vivre ailleurs qu'en Grèce. Et je croyais que je pouvais vivre à Paris. Maintenant, je sais que je ne peux plus vivre à Paris. Tu n'es pas sortie du tout en 2 mois. Je suis sortie 2 nuits. Et je dois dire que j'ai regardé la ville de Paris avec comme on regarde un homme qu'on n'aime plus. Mais qu'on a aimé beaucoup. Qu'est-ce que tu penses des Français ? Je connais très peu des Français, tu sais, Marguerite.
La bourgeoisie française. C'est mon étonnement, parce que vraiment, je suis ici depuis... Enfin, je suis venue à Paris la première fois en 1949. Et je crois que je peux compter sur les doigts d'une main les Français que je connais vraiment. Je connais pas les Français. Comment ça se fait, ça? Je crois que vous êtes un peuple... que vos lois sont très hospitalières, mais que les Français ne s'ouvrent pas tellement, que, enfin, ils ne se font pas connaître par les étrangers. Tu n'es pas d'accord avec moi? Est-ce que tu connais beaucoup d'étrangers, toi? Enfin, tu es peut-être la seule Française que je connais, vraiment. Non, je n'ai jamais compris ça, mais moi j'ai eu une grande chance pour ça, parce que j'ai vécu avec... mes parents, enfin, c'était une maison politique qui avait les portes ouvertes et que c'était une honte de fermer la porte. Alors ça, je l'ai appris depuis l'âge de... que j'existe. Mais tu ne fais aucune différence entre les uns et les autres. Oui, entre les intelligents et les méchants. Entre les pauvres et les riches, entre les bourgeois et les autres. Tu n'as jamais fait la moindre différence. Non, je ne comprends pas ça.